Jeffrey, la passe Yunland. Oh, la reprise de Rieser est allée heurter le patin de Sen Yunland. Erreur, le but. Le voilà au moment où le Grison revenait en jeu. C'est une réussite lausannoise à 5 contre 5, mais consécutive en jeu de puissance qui permet ainsi... Wolski. Pesonen, c'est pour lui-même. Il a un homme au centre, il l'a vu, c'est Klobuchar qui peut marquer sur un contre meurtrier absolument superbe, emmené par un Pesonen qui montre encore une fois qu'il est en toute grande forme. C'est un but qui, lors du premier passage des Davosiens ici à Malais, puisqu'il y avait eu 8 à 1 en faveur de l'équipe de Ratouchli. Mais le but qui tombe quelques instants, 19 secondes après le 2-0, but de Corvi sur un contre rondement mené. Attention, Forster. Forster encore, il va prendre le tir et il égalise. Stupeur à Malais à 3 minutes de la fin du tiers. Forster s'enfonce trop facilement dans la défense. Yunland. C'est Kuzel qui a réussi à lui prendre le puck. Forer, Kuzel. Et Corvi qui réussit le doublé avec un puck qui passe entre les jambières de Christophe Alluet. Aïe, aïe, aïe. Renversement complet de la situation. Et les quelques supporters davosiens présents. Sortie. Il faut relancer maintenant et ça n'est pas le cas. Le tir de Routou, c'est le 4 à 2. Alors là, c'est le but qui met fin aux espoirs des joueurs de Dan. Forster, il a déjà marqué une fois ce soir. Viser pour Kuzel, bien placé. Kuzel qui va marquer dans le but vide. Eh bien, cette sortie de Huet, elle n'aura pas servi à grand chose, si ce n'est à asseoir définitivement le succès du HC Davos.